Yo, yo. Oui. Tu as fait mes ignames là? Non, tu m'as dit de faire à quelqu'un ce matin, tu ne fais pas d'ignames encore. Ah oui, oui. Fais vite, j'arrive, je m'habille là. Toi, tu aimes trop parler. Bon. Oh. Après, elle avait ma mère pour aller placer son acquéco. Elle va venir me frapper ici comme Gazégan. On frappe sa femme tous les jours là. Tu parles de qui frappe sa femme ici là? Je parle de ton ami Gazégagnon. Hein? Tu parles de Gazégagnon? Oui. Hein? Aujourd'hui tu parles de lui. C'est qu'elle fait et puis on la frappe là. Ça fait ton tour un jour. Tu as mis du sel? Oui. Oui, oui. Vous savez, vous les femmes de ce village, il faut qu'on vous frappe normalement. Je peux aller me laver maintenant. J'ai du mal. Mais c'est le piment que tu aimes là. Non, il va bouger ça un peu. Oh. Va là-bas. Oui, là, là, pour cultiver les gens sont mal. Reste là. Ton tour va arriver un jour. Continue à cultiver tes grands. Douadou. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre l'enfant pour aller le faire coucher. Mais va prendre ton enfant et puis fous-moi la paix. Attends, on dirait que tu commences à ressembler à Gazégagnon, hein. Faut pas m'énerver matin là-haut. Faut pas m'énerver matin là-haut. Laisse-moi manger mon attaqué tranquillement, oh. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Oui! Oui, viens ici. Viens prendre l'attaqué là. Où elle est? Tu as vu, à force de crier, où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? La femme est réveillée maintenant, il passait le faire coucher, il se réveillait maintenant. Donne-lui le sein. Je m'en vais au sein. Hein. Ce soir-là, je vais manger appétit. Tu as compris? Si tu me fais ta sauce trop d'hier là, ah, tu vas me connaître. Oh. J'ai dit appétit. D'accord. D'accord. Bien. Oh, vraiment. Vraiment, les enfants ont compris cette année. Vous voyez? Comment ils m'ont nettoyé ce champ-là. Pendant ces vacances-là, vraiment, mes enfants ont très bien travaillé. Quel bois! Mais ça fait rien. Voilà. Et les ignames là cette année vont donner là. On va aller au village. Dépêche-toi. Comment? En tout le monde, Vraiment, on est fatigué, ma chère. Gazégagnon, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose encore ici, là, en brousse, là. Il paraît que tu vas voir souvent la fille de Kolongoli, là. Il y a quoi entre toi et la fille de Kolongoli, là? Hein? Hier, tu dis que tu t'en vas voir ton frère qui est arrivé. Hein? Magneto. Oh, tu es parti chez la fille de Kolongoli. Hein? On est déjà 4 femmes. Quand tu dors à côté de moi, tu ronfles jusqu'à on t'entend à Dobogé là-bas. Hein? Et ça ne te suffit pas, tu vas aller prendre une cinquième femme. C'est pas la mort, ça. Hein?
Mais ça va pas chez toi. Tu peux rien quand même, et puis tu... Oh, mon père avait 15 femmes. Moi, ça me dirait, il doit marier jusqu'à même 10 si je veux. Gaz de Cagnon, c'est pas devant moi, tu as marié qu'à 15 là. Tu as compris? Mais toi là, nous sommes au champ ici. Hein. Sinon, tu me connais? Mon nom est déjà gâté dans le village aussi. Oh. On dit, c'est moi qui prends la femme. C'est pas mon problème, ça. Je m'en fous. Je m'en fous. De toute façon, je suis habitué. Tu me prends toujours, je suis habitué. Donc, je m'en fous. Tu as compris? Tu peux me frapper, je m'en fous. Regardez mais je dis, ça. Tu ne vas pas prendre femme. Je suis trop jalouse. Mais je vais aller chez elle même. Pas des choses comme ça là. Chaque fois que j'ai lu, c'est quoi? Tu n'es pas la seule. Mais je m'en fous, je peux me marier jusqu'à 10 fois, je m'en fous. C'est pas un problème. Ça te regarde pas ça. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça. C'est pas moi, hein. Bon, viens mettre mon eau, je vais aller me laver. Je vais aller mettre ton eau, tu vas aller te laver pour aller chercher ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ton affaire, ça. Chaque fois, à cause de jalousie, même vraiment, c'est pas la peine. Hein? Chaque fois, Tout le temps, pas là. L'eau, la même est finie, dedans. On m'a pas mis au monde à cause de toi, c'est l'eau. Oh, la pluie aussi a mis le bois là, on ne sait même pas comment faire pour préparer. Ça, c'est l'aventure et tout. Why you, je m'en appelle vraiment. Why? You are you? Oui. C'est maintenant que tu vas le faire pour faire mon appétit là. Depuis là, le feu ne veut pas s'allumer. La pluie a mouillé le bois. Je suis resté toute la journée au champ là. C'est pas pour manger ça, hein. Tu as compris? Je vais manger mon appétit là. C'est pas du maïs, je vais rester. Quoi? C'est dit encore. Hein? Bagnon. Ah, Bagnon! Ah! Bienvenue. Reste un peu là, elle me frappait après l'appétit. Oh non, Non, viens, dis non. Ah bon? Non, elle n'a pas dit ça. Elle voulait seulement s'amuser. Ah, oui. Elle n'a qu'à s'amuser. Les gens qui frappent pas ici, on les connaît. Si tu me forces, je vais faire comme eux. Il y a des gens qui frappent pas ici. Ah non, on va s'asseoir là-bas. Yayou, prends le bas là. Attends, Manito. Je vais bien placer. Ça va bien s'asseoir. Comment tu mets ça comme ça? On dirait qu'on est venu faire jugement. Et toi aussi. Toi aussi, doucement. Eh, Maïto. Eh, prends les bagages, tu l'envoies à la maison et puis tu t'occupes de mon appétit. Ah, je voulais demander une nouvelle. C'est toi qui demandes une nouvelle ici. Tu as raison, c'est Gazgaillon qui vous moyen dans le village ici. Qu'est-ce que lui fait, Gazgaillon? Ah, Gazgaillon, pour question de correction, il est corrige vraiment. Hein. Ah, c'est la grande vedette dans notre village ici. Ah, Gaz de Cagnon, ton voisin. Lui, il tape normalement. Et puis c'est comme ça qu'il faut faire les femmes. Comme ça, elles vont te bien respecter. Décidément, je n'ai pas de chance. Ah. Mais c'est pas possible. Ah. Gaz de Cagnon, mon cousin aussi, il fait ça. Il fait ça à minuit. Là, je suis foutu. Tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Mais mon voisin, même en ville chez nous là-bas, mais c'est plus grave, vous ne faites rien ici. En ville là-bas aussi. À l'étage. Nous sommes au cinquième étage et mon voisin du dessus, nous est au sixième étage. On ne dort pas. Oh. Et là-bas, c'est les assiettes, les verres, les cuillères, les couchettes, tout ça, de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Bakalagan, des fois, les pompiers arrivent. Des fois, il y a eu intervention des pompiers. Ah, ça, c'est un vrai garçon. Alors, j'ai décidé, j'ai dit, bon, je vais aller me reposer chez moi. C'est mon cousin Bagnon au village. J'arrive encore, Gaz de Cagnon, il est là, il fait la même chose. C'est chez Gaz de Cagnon, il y a place pour toi, pour dormir. Non, même. Avant de partir, moi, je vais le raisonner. Parce que quand même, il faut que ça cesse. Et puis, mon voisin dont je te parle, c'est un grand intellectuel. Tiens-toi bien. Et c'est ce qui est surprenant. Ils sont des milliers comme ça. Ceux qui disent qu'ils connaissent ce papier-là, ils sont allés à l'école jusqu'à, ils ont de gros diplômes. C'est eux qui font ça.
tous les matins, c'est après, il prend sa cravate, c'est à mon travail. Des fois, tu le vois, il est grippé. C'est pas pour rien. Non, mais, Bagnon, faut pas rire. C'est quand même écœurant. Un qui doit donner des conseils aux gens, c'est eux qui battent matin, midi, soir, ils battent leur femme. Il n'y a personne pour leur donner des conseils. Ouais, là, vraiment. You are you? Non, vraiment. You are you? Ah, c'est vraiment celle-là. You are you? Mais, tu as vu? C'est ce qu'elle fait, puis on les frappe là. Non, 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 non. Peut-être qu'elle est allée chercher de l'eau. You are you? Tu as vu ça? You are you? Oui! Ah! Oui! Papa? Où tu as quitté? C'est là. Oh! Non, toi aussi, quand même. Comment tu peux aller? Bon appétit! Papa! Mais tu m'étonnes, Bagnon. Tu vois pas comment j'ai crié. Maman, assieds-toi. Ça, c'est un acte de barbarie, ça. C'est de la sauvagerie, ça. Mais oui. Non, faut pas m'insulter aussi. Comment tu veux pas t'insulter? Comment tu peux insuffler une personne comme ça, quand même? C'est une femme, non? Oui, mais une femme, c'est pas fait pour être insufflée. Mais tu attends quoi? C'est ce que les autres faisaient, j'étais en train de te retracer ça. Et tu le fais devant moi. Tu n'as pas dit que c'est Gazé Gagnon qui frappait sa femme? Mais il nous a appris ça aussi. Oh non, c'est pas un bon apprentissage, ça. Faites autre chose. Ah. Non, si c'est ce que vous allez faire ici, moi j'ai pris mes bagages et puis je réponds. Bon, d'accord. Allons d'abord, je vais te recevoir. Comment t'es passé? La femme, là, c'est comme ça. Ah, mais non. Ah, Gagnon. Toi, tu t'auras tout là, c'est vieux ça. Ah, attends, nous, voilà, à tout au village. Ah, oui. Bonjour. Ça va? Merci. La santé? Ça va très, très bien. Ah. C'est mon rein là qui m'a fait mal. Eh, hey, tu as bonne mine aujourd'hui, hein? Je vais payer mes médicaments après. Ah. Hein? Il y en a. Ouais, je vais payer mes médicaments des reins. Là, quand tu es fatigué, mais tu mets ça seulement, c'est fini. Quand je prends d'avant là. Ouais. Je peux plus de voir encore. Je continue seulement. Oh là, tu te casses pas la tête, hein? Vraiment, je vais payer ça demain. Ma fille. Bon, je vais aller mettre. La vie est belle. C'est comme chez toi. Ouais. Hein? Je vais me reposer. Bon, merci, hein. Non, à tout à l'heure. Eh, bonjour. Ton vieux aussi est gentil, là. Déjà, il a vu que je suis là. C'est pourquoi il s'est retiré, quoi. Mais ouais. Ah. On a beaucoup de choses à faire. Tu sais, ta femme, Jodiessine, là. Ouais. Pour lui dire, hein. Ouais. Elle est venue ici la dernière fois me faire des histoires. Moi, je n'aime pas ça. Elle est venue à la maison ici. Faut régler tes comptes avec elle. En tout cas, faut tout régler là-bas. Moi, je ne suis pas. Mais celle-là, elle va m'attendre. Je vais la frapper. Chez moi ici. Elle est venue ici. Elle est venue ici. Je ne veux plus la voir ici. Mais si elle vient ici, laisse tomber. Arrive à la maison, je vais la frapper. Elle me connaît assez. Ah, parce que tu frappes les femmes. Gazé-Gagnon. Qu'est-ce que je te disais au champ là-bas? N'a pas dit que c'est faux. Ma fille, il faut laisser Gazé-Gagnon. Qu'est-ce que je suis venue te dire? Si tu n'entends pas, ah, c'est pas mon affaire. Gazé, mais je l'aime. Gazé, ouais. Laisse-toi en passer. Écoute, tu ne vas pas me faire ça ici. Quoi? En tout cas, allez régler vos comptes. Allez régler vos comptes. Tu ne vas pas me faire ça ici? Mais
Tu m'as blessé? Ah ouais, pas sérieux. Tu aurais mérité ça. Tu n'as pas honte. Tu aurais mérité ça. Tu es mort encore dans toi, tu ne vas pas l'argent. C'est quoi? Un homme qui frappe tout le temps sa femme. Ta femme. Mais il est méchant comme la mort. Mais c'est pas possible. Pas plus tard qu'avant-hier. Mais il a frappé sa femme, il l'a frappé traîné. Mais il a cassé son œil. Et elle saignait partout, blessée là. Mais c'est pas possible. Mais ça, là, ce genre de personnes, on doit les chasser du village. Mais il est trop méchant. Mais il a une belle femme comme ça et toujours la maltraite. Oui. C'est pas bon pour le cœur, hein? C'est bon. Hey, qui ça encore? C'est ta soeur, regarde. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu as eu? C'est mon mari Gazekayoun qui m'a frappé encore. Oh. Mais ton mari est sauvage. La France, attends-toi. Mais il t'a cassé un œil? Tu la vois. Dieu m'a blessé. T'as vu ça? C'est pas possible. Comment tu peux marier un gars comme ça? Il faut le laisser. C'est pas possible. Mais il va te bon, tuer. Le vieux n'est pas là. Moi, je suis venu lui dire bonjour. Je m'en vais là. Mais on va l'amener avec nous. On ne va pas la laisser ici comme ça. Bon, tu vas aller faire tes bagages. Il faut qu'elle tu pars tout de suite avec moi pour la ville. On va aller, je vais te faire soigner. Non, tu viens avec nous, on ne peut pas te laisser. Grand frère. C'est un sauvage, ça. Grand frère. Il est inhumain. Grand frère, je ne peux pas partir comme j'ai 4 enfants avec lui. Quoi? Il me frappe comme ça, toujours, ça va. Hein? Tu vas rester toujours avec ce monsieur-là. Mais pourquoi tu veux pleurer ici, alors? Parce que ça me fait mal. Mais à part, c'est tu pas ça. Tu as 4 enfants. Va, va. Elle est sauvage, ma soeur. Elle est même plus sauvage que Gazekayoun. Mais elle aime son mari. Elle aime son mari. C'est comme ça qu'on aime. On se fait frapper jusqu'à ça. Mais chacun sa façon d'aimer. Chacun sa. Est-ce que moi je te frappe? Est-ce que je te frappe? Mais ça, ce n'est pas comme. Est-ce que je te frappe? Mais tu m'as jamais frappé, mais tu n'es pas comme lui. Mais alors, comment il faut m'attendre ma soeur comme ça? Et puis quand je lui dis, non, j'ai 4 enfants avec elle. Mais quelqu'un, je ne vais pas laisser ses enfants. Elle est sauvage. Allez, va. Regarde-moi ça. Tu aimes ton mari, va là-bas. Elle va venir avec. Il y a quelque chose? Oui, grand frère. Oui, M. Gazekayoun. Oui, M. Moleka. Si vous vous demandez pardon, mon père n'est pas là, je ne veux pas que vous recevez ici. Et ma soeur, j'ai dit que ça, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, hein, vous ne l'aurez plus. Hein. C'est-à-dire quoi? Il le regrette. Quel regrette? Ça fait 15 ans qu'il regrette. Toujours, il abat. Il abat, traite. Tu pleures de cicatrices. Alors qu'elle a 4 gosses avec toi. C'est pas malheureux, ça? Tu n'as pas honte? Non, toi, non, toi. Oh, vraiment. Il a juré devant tout le monde. Gazekayoun, il a juré devant tout le monde. Tu es trop méchant. Tu es un mauvais type. Tu as vu ça? Tu es un vaurien. Vous lui demandez pardon. Quel pardon, ça? Dans le village, dans le gros village ici, il n'y a que toi seul. Comment? C'est malheureux quand même. Même si on tue, on demande pardon, c'est pour cela qu'on est venu vous demander. Oui, on va le tuer. Non? Il va demander pardon, je vais dire oui, il va partir encore la tuer. Non, ça, c'est fini, ça, il a changé. Il a complètement changé. Ici. Viens, viens. Amen, je suis ici. De toute façon, tu vas prendre ta femme, il n'y a pas de jugement. Tu la prends, tu vas pas. Tu arrives là, tu n'as qu'à égorger. Ça vaut mieux. Il ne va plus recommencer, grand frère. Il a juré devant tout le monde. Il est venu chercher sa femme. Vous avez vu ça. Prends tes bagages, hein. Je ne veux plus te voir ici. Hein.
Oh, je suis blessé. Je suis blessé. Je ne veux plus te voir ici, hein. Sauvage. Sauvage. Non, je suis blessé. Comment? Je suis blessé. Enlève-moi. Pourquoi tu ne peux pas parler? C'est quoi? Tous les jours, c'est quoi? Qui t'a dit? Pas là-bas. Mais comment est-ce que tu es prenant mes parents? Tu es en train de me frapper encore. Gazé Cagnon, calme-toi. Quand est-ce que vous allez comprendre? Hein? Quand est-ce que vous allez comprendre que ce que vous faites, c'est interdit? Vous qui êtes en ville, hein? Les intellectuels, vous battez vos femmes. Vous, nos frères qui êtes dans la campagne aussi, j'arrive ici, vous battez aussi vos femmes. C'est interdit, tout ça c'est fini maintenant. Écoutez, la femme qui vit avec nous, qui nous donne des enfants, c'est notre mère de famille, notre mère de foyer. Quand même, il faut la tenir comme il se doit. Tous les matins, boum, boum, boum. C'est pas normal. Vous devez la respecter, la choyer, la pouponner, la dorloter, lui donner tout ce qu'elle veut, parce que c'est elle qui nous tient, les femmes. C'est la source de la vie. Tout part de la femme. Donc, c'est quelque chose de très cher. Mon mari, merci. Merci. Adokolo. Gazé Cagnon, tu vas pas recommencer? Toi aussi. Adokolo, là, ça te fait quoi?